السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيفكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. كيفكم دايرين مع هادو لي داني جور تاع رمضان؟ جو سي كو سي لي بلو دور، سي فاتيغون، مي معليش سي تان موا اكسيبسيونيل بارتيكولي ديفيرون دي زوتر موا. ان شاء الله يا ربي يتقبل منا غير صيامنا وصلاتنا يا رب، ونتلاقاو العام الجاي ان شاء الله، نكونوا في الدنيا ان شاء الله يا رب. الوغ هذا التشارك العريان جو سي كو يانا بوكو كي لو فون ديفيرامون. انا غني جو بارطاج افيك فو جوست سو كو جافي بريباري كوم غاتو. جو سي كو لو ريسيت سي با سا كي مانك في يوتيوب، مي هادي سي ما ريسيت ا موا اي فوالا جو لا في طول التام. دونك هذا التشارك العريان درت جي بريباري لا بات اي لا فارس هيير جو دير لا فيي تاع نهار اللي درت الكحك النقاش باردون. اي دوكو جي بريباري تو سا. دونك جي بريباري دي لا فارس تاع لي زاموند، طحنت لي زاموند وخرت لي شويه غليد و هذاك الكي درتها لا فارس. و زافي فيو سي 3 ميزور في ميزور دو سكر، ما مشي معاها بزاف. J'ai rajouté aussi une cuillère à soupe de beurre ramolli, une cuillère et demie, un petit peu, pas, même pas et demie, hein, de beurre. Et au chez Mazhar, je le mets, c'est tout. Là, je prépare la pâte. Hein. Donc, pareil, hein, 3 mesures de farine sur une mesure de gras, vous allez voir. Il y a le bol qui me coûte comme la quantité, c'est par rapport au bol. Hein. Elle a de la quantité, j'ai tenu 3 plateaux, vous allez voir aussi. De Tchalakarien, c'était correct pour moi. Comme le gâteau me chirait Lina, c'est aussi partagé, c'est ça le principe aussi de l'Aïd, partager les. Elle a toujours fait ça, hein. C'est beau, c'est changé. La spécialité de l'autre, c'est bien. Et puis donner aussi, hein. Il y en a qui ne l'ont pas fait, donc c'est le principe aussi d'offrir. Une bonne assiette de gâteau, ça fait que plaisir. C'est pour ça que toujours je me dis, il faut faire beaucoup, comme ça au moins si je dois donner, ok, alhamdoulilah. Donc là, comme vous avez vu, j'ai mis 3 mesures de farine. Là, je vais mettre la mesure de beurre, un peu de semaine. De 3 cuillères à soupe, qui mettent de l'huile ou qui mettent de zit. Voilà. Et le sucre glace, bien sûr, la moitié du bol. C'est le sucre glace en train de mettre. J'ai mis la moitié. Parce que c'était bon la veille, d'être le commentaire le lendemain. Et j'ai vraiment très bon. Vraiment, l'étape de la fait deux étapes. Il faut le préparer la veille. Tandis le lendemain, il est vous le façonnez le vous allez voir aussi de tasse très tôt. Belle tasse très tôt. وخليتها ينشف حتى ديك ديبي دابري ميدي عاد باش بديت نطيب فيه. الى با فريمون اي سي با ديفورمي دون لو فور، اي سي سا البرينسيبال. ما جيم بيان ديك لو شيك عليه يكون صغير، يكون باهي شباب، ما يكونش واحد غليظ واحد رقيق واحد حاصل. جيم بيان يكونوا كاع مساويين، و ميم طون ما جيم با كون تي ديفورم كيما سي تي لا ميم شوز كيما الكعك النقاش باغي. حق كاع لي غاتو لي يروحوا هكا الفور لي بيتي فور ينشفوا شويه افون دو لي فير دو لي ميتر فور. Donc là, vous avez vu, coucher à bain, la levure, le sel, le sucre vanillé, ou le bdan lim, mais c'est le hababa tannique, un œuf, je l'ai mis entre temps, qui coûte lim, un œuf entier. Et après, je rabasse avec de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau. Voilà. C'est un truc classique. Relouter, bien évidemment, ou je l'ai filmé, et le lendemain, j'ai fini le travail. Voilà. C'est vrai qu'il est facile, mais il est lent. Tchalakarien, c'est qui met un peu le. Avec le cac, c'est pareil, d'où les gâteaux secs, ils sont bons, c'est sûr qu'ils sont très très bons, mais ferme le khadma. Mais Aline, c'est pas grave, pour un bon résultat, moi le plus important, c'est le résultat. Voilà. Wahadit Ab, c'est pas pour rien. Je dois vous lancer cette vidéo ce matin, parce que tout à l'heure, je dois faire croquer ma khouti Amina. Donc voilà, vous attendez cette vidéo, ce sera pour demain, Inch'Allah. Bon courage pour la suite. Et puis à très bientôt inchallah wa dumtum fi ri'ayatillah wa hifdihi wa salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sallu ala nabiyyina allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
نبدا قولي كيف كافت البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان وصلت احلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بشان بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرا روح الدب شبان مسارك كله في وحب العطار ولباسك كل الوان تبتيني بعنان فقري رسول داك الظهر كيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخير لكم خواتاتي خوتي بيان سور كيراكم دايرين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Avant que je commence la vidéo et vous expliquer un petit peu ce que j'ai autour de moi, je tiens quand même à salam ala akh wahed khali les commentaires et les dédicaces liya et ben ma kach mouchkil akhi Mohamed min el Maghrib salam عند اختك رنا بزين échange ان شاء الله تكون بخير وعلى خير ومرحبا بك في قناتي وشكرا جزيلا على الزياره وعلى اللايكات شكرا وربي ان شاء الله يحفظك ويسترك ان شاء الله ويوفقك في المشروع تاعك ان شاء الله. Et en même temps je remercie tous mes fidèles abonnés bien sûr hein, bien évidemment j'oublie à chaque fois de les remercier. Merci beaucoup اللي تجي تزورني اللي تجي تعطي مقطع وتحط لي كومونتير و vraiment c'est très très gentil et j'ai toujours le plaisir de vous répondre. Franchement, merci beaucoup. Vous me donnez encore plus de courage pour continuer, ça c'est clair et net. Bien évidemment. Donc voilà, je vais commencer ma recette, ma deuxième recette dans les gâteaux de l'Aïd. Hier, on a fait ensemble Tchalak Aliyam et j'ai eu l'occasion de le goûter hier, Moftor. Il est vraiment trop bon. Vraiment trop bon. Avec un bon café, Zamaï Dou Bahdou. Très sablé, très bon, régulier au niveau du sucre, mais chim sakar bzef, wedek tmerat, pas beaucoup, donc du coup vraiment tout était nickel au niveau des quantités dans les ingrédients. Donc je vous le conseille, surtout les débutantes, que dans les débutantes, parce que un homme, avec le kakmakash, le khaf, parce que bon, je ne sais pas dans ma spécialité, c'est plutôt spécialité algéroise, sahab l'est aussi. C'est vrai que Hina Sahab l'Ouest me chie vraiment taïna, me chie m'chassin fi, mais je l'aimais beaucoup, du coup je voulais quand même l'essayer. Sincèrement, l'étape loula, t'as les préparatifs, t'as le verrine à 10, c'est très facile, bien évidemment. Après, il y a juste le moment t'as le nakash, pour confectionner le kak. C'est très facile, je trouve, là les débutants, mais goulou, je blâme, je m'chouina, mais il ne faut jamais dire jamais sans essayer. Si you, ou je trouve. La première qui m'a dit comme dans la vidéo, bien évidemment, les 3-4 pièces là, belles que j'ai comme ça, mais après, ça y est, c'est tout elles font. Ou à force de le faire, tout le délo, tout simplement, c'est bien d'échanger avec les spécialités de chaque région, pourquoi pas. Donc, je vous le conseille, les filles. Hein. Allez, courage. De terre, donc pourquoi pas vous. Alors, aujourd'hui, comme je vais commencer à confectionner, on l'a fait ensemble aussi hier, à dire comme la vidéo, le début, t'as le Tchalak où l'hium, je vais être très tôt le matin, qui est notre à 4h du matin, je fais la pâte blanche et la pâte aussi d'amande. Radin, nous fait les boules. On a dit que nous des boules. Alors, il y a 30 grammes dans la pâte et 22-23 grammes dans la farce. Dilga, les boules, les plateaux, je les sépare. Et après, je commence à confectionner le tchalak. Comme ça, il faut être organisé pour les gâteaux. Ou ça passe, pourquoi pas. Haja libre, haja de théâtre très tôt parce qu'il est quand même 7h30. Maradjim taïba d'arok, radirin d'y confectionner ou d'y les plateaux, on khali yin chouf. Dès le début d'après-midi, je commence à le faire cuire. C'est mieux pour que vraiment il goûte comme chbeb, mais il ne se déforme pas. D'accord. Donc, hadith, c'est important l'étape. De laisser qui va le kak le nakash pareil, je l'ai laissé sécher au moins 2 heures, si c'est pas plus, 3 heures, à être bête taf le four où il n'a pas vraiment pas bougé. Donc c'est pareil pour Tchalak Aliyam, et il faut qu'il coule le shbeb, voilà, il coule le beh, il coule déjà il ben shbeb, c'est important, Tanik, le visuel est très important. Donc voilà, donc comme le mdam a coupé
هذا الجاتو غادي نبدا نجري كومونسي ا بيزي وراكم معايا ونولي طوزون طون معاكم. Voilà, de retour ma com, Kemena, de plus de 30 grammes de pâte et la moitié d'amande, la farce. Et la moitié de la farce, d'être entre 15 et 16 grammes. Voilà. Adouli, Warda, j'ai obtenu mon Jazair. Elle va se reconnaître. Merci Warda, parce que c'est. Et puis là, voilà, je couvre avec mes chemises chouches. Hadi, c'est la avant-dernière étape. Maintenant, je vais façonner le tchalek. Voilà comme Mahaya. À tout à l'heure. Il faut bien aplatir la fleur au niveau du début, la farce, et enrouler, mais il ne faut pas qu'il y ait de l'air. Hein. Bien serré. Ouais. Toujours au milieu un petit peu bombé et les côtés comme ça. Le tête, vous ramenez le bouchon et vous formez là c'est que d'où je suis hein, les pointes il reconnaît vraiment bien. Voilà, vous arrangez un peu comme ça, surtout la douleur des pointes à dos. Voilà. Et après, je prends comme ça, on le fait au plateau. Le glace, bien sûr, le bouchon, après le bouchon, t'as le four. Voilà, c'est juste pour qu'il garde la forme. Mais je joue gare kiff. Tout le monde. Le visuel est très important. Alors, même si je garde tout le haka, parce que bien, c'est tout, il faut que tu ailles pour le cheveu. Une belle. T'as même le gâteau chez Deliet, c'est sûr qu'il met un beurre. Mais voilà, j'y chèque bien. Regarde kiff, hein, on appuie bien là. I love you.